Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft PVP d'entraînement 3v3. Ça va retourner à la map 17. On est en A, c'est parti, je vais banner ça. Je pense qu'il va falloir que je banne Forgelance aussi. Ça va être du Xel ou du Steam, je pense. Ouais, je pense que c'est Xel ou Steam pour moi là. Ou Faker. Est-ce qu'on lâcherait pas notre meilleur first pick Faker? Je pense que s'il laisse le Xel open, je prends le Xel. Ça bonne the ball. Bah, j'ai pas trop le choix, faut que je joue en Xel, même si je suis pas hyper fort dessus. Quand la draft nous y oblige. Ah, ce qui m'embête, c'est que c'est une bonne map pour Steam, là il a une bonne mobilité dans l'axe. Il peut assistance ses alliés assez facilement. Et là moi je suis obligé de lui ban le Faker. Ça s'annonce un peu technique cette histoire. Je voudrais bien avoir soit l'Eka, soit le Sacri avec, avec le Xel. Ou le Yop éventuellement. Yop ça peut être un plan aussi. Ça me banne Enu, je lui banne le Roub. Et il va choisir entre Eka et Sacri. Et je prendrai le complémentaire. Ok, ça me plaît là. Sacri. Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Faut que je lui banne le panda. Il me faut un érodeur. Est-ce qu'on se prend pas un cra sur cette map? Très concrètement. Il n'y a pas l'air d'avoir de retrait PA en face. Ça me banne SRAM. Eh ben, il a bien fait parce que j'allais le prendre. Go Yop, du coup. J'aurais pris cra sinon, peut-être. J'étais chaud pour. Là, je partais sur cra ou SRAM en vrai. Je sens la PLS en face, ça me régale. En vrai, c'est Upper Mage là le meilleur, je pense. Hein. C'est Upper. Yep. Pour les mods, j'ai choisi de jouer le Xelor au retrait PA relativement classique, sans pre-tech, avec un Forge Lave. Le Sacrieur Forge Lave également. Mode assez atypique sur le Sacri en quadruple aurore pourpre avec Crocoblure, Capricirel, Ébène, un petit anneau de notoriété, un crack qui est censé permettre de taper comme un bourrin en corps à corps, y compris avec l'arme. C'est un peu chimique, mais j'aime bien. Et le Yop, Yop feu classique, marteau possédé, anneaureuse, bague l'ours et Volcorne. Let's go, bon, je ne suis pas hyper serein, je dois dire. Messieurs, le parmage est infocusable. Okay, donc on va y aller comme ça. Engrenage. Ma synchro, elle va aller là. Il me faut une des synchros ici. Flou. Gélure. L'après. Je récupérais pas la vision sur mes sorts. J'ai pas vu mes sorts à la fin. Bon, il manque la maladresse d'arme, malheureusement. J'ai un T1 qui est malgré tout pas catastrophique par rapport à ce que je peux faire sur mon Xel en général. Il me manquait soit un petit. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus là dans mon tour?
sablier passer à 3 PA. Ça, c'est très très pénible, ça. Il me manquait la petite maladresse d'arme. Bon, on va dire que si je prends pas de coups de cac, ça change pas grand-chose, voilà. Je vais me faire salement éroder, par contre. L'initiative est bonne pour eux en face. Oh, j'ai pas la bonne maîtrise, une maladresse. Pourquoi j'ai une maladresse? Oh, je suis dégoûté. J'ai pas les bonnes variantes. Je voulais mettre des gros coups de crocobure. J'ai pris le bouclier qui fait taper avec l'arme exprès. J'avais une giga crocobure, je voulais m'amuser. Bah, je m'amuserai pas. Oh, je suis dépité. J'ai pas le bon. J'ai pas la bonne. Je savais qu'il allait me péter directement mon épée. Je suis trop trop con. Bah, j'ai envie de. Je suis dépité là. Je suis au bout de ma vie. Je suis littéralement au bout de ma vie. J'ai pas ma maîtrise d'armes sur mon sacri. Tout mon mode, c'est pour mettre des giga coups de crocobure. Bah yes, hein. On s'éclate. Allez, alors épée du destin. Ah, ça fait bader. C'est vrai que j'ai pas la variante qui booste avec le yop dans ce mode-là. Bon, y a rien qui va, quoi. Bon, super. Mettre une puissance au sacri, tant qu'à faire. On va poser une cabotte là. Je suis beaucoup trop exposé, je vais en champ ligne de vue. Ah, c'est catastrophique. Je suis un peu dépité de ce fail là, je vous avouerai. Bon, il va falloir choper peut-être les cas. Ah, je me suis mal placé, je fais nimp. Mais... J'ai fait n'importe quoi. J'ai complètement oublié de compter les cases avant de poser ma cahuète. Ah non, je sais, parce que je voulais mettre en bas, que je voulais mettre là, et du coup je me suis décalé parce que je voulais la ligne de vue dessus. Bon, j'ai complètement fail tout mon tour. C'est une catastrophe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais éventuellement pouvoir y aller sur le Steam. Steam est en stalag. C'est le Steam relativement fragile en vrai. Il prend un éventaire, y'a rien qui va. Les coups de crocobure que j'aurais pu lui mettre si j'avais ma maîtrise d'armes. Tout mon mode est dead. Je suis abattu, sérieusement. Bon, bah c'est de l'entraînement, hein. On va dire ça comme ça. Le porc il va arriver, il va me poutrer. Pourquoi j'ai zéro repos sur l'IA, puis il est où mon forge de lave? Ah, j'ai bien vu le bis. Bah, j'ai pas eu le temps de faire les staffs comme je comptais le faire, apparemment. Nickel. Il s'est raté peut-être là, non? Je crois qu'il y a un fail dans l'air.
Là, je suis pas sûr que le Steam rejoue en vrai. Moi, je mets engrenage. Qu'est-ce qui se passe avec mes... Je sais plus compter. Je me suis trompé. J'ai fait tout faux. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma TP? Bah là, si je suis là, normalement, je recule d'une case. J'avais ma synchro qui pète là. Ici. Sur... Ah bah non, pas du tout. Non, non, je dis nimp. Je dis n'importe quoi. Bon. Bah GG à eux. Frustrant ce match, bizarre, un peu drôle d'ambiance. Je vais me mettre là, avec un petit éteint à déplacer. J'aurais peut-être dû m'occuper de mon Yop. J'avais pas vu ses PV. Il a plus de PV. Qu'est-ce que c'est que ce match? Pourquoi y a rien qui va comme ça? J'ai pas fait gaffe. J'avais la pénitence, j'avais un milliard de trucs que je pouvais faire. J'avais pas vu. C'était le tour de la précis et de l'épée du destin. Qu'est-ce que c'est que ce match? Il n'y a rien qui va. Bon, bah on va s'amuser, hein. On va essayer de progresser un petit peu sur les déplacements, on va voir ce qu'on peut faire. Avec le sacré indéplaçable, c'est parfait, évidemment. L'écaille va à droite. Lui, il a zéro de tacle. J'ai peut-être moyen de faire des trois petits trucs sympas. Genre tac. Tac. Ah, ça passe pas. Je suis la tristesse incarnée. Attends, pourquoi mon sacré a pris 2 PA? Je comprends rien. Il y a eu des changements sur la classe? Parce que là, ça va être hop. Hop. Sacré, il joue pas au même jeu que les autres par contre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore? Ah, je suis dégoûté, le Yop qui joue pas, j'ai tellement fait nimp. Si j'avais la bonne maîtrise, le premier coup de Crocobur que j'ai mis sur le Steam, j'avais besoin de moins de PA pour le tuer, derrière je pouvais backup le Yop. Et j'étais tranquille. Ok, il s'en prend en ma synchro, j'aime pas du tout ça. C'est pas très gentil. Pourquoi mon Yop il a pris les boosts du cadran? Ça je comprends pas, j'étais pas téléfrag. Hein. Ou alors je suis aveugle, mais dans ma tête, j'étais pas téléfrag. Justement, je me suis dit, c'est embêtant, je suis pilori, je peux pas me téléfrag. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie étrange, là? Par contre, les gars, avec ces 11% d'autres, je vais le victimiser, hein, ça c'est très clair. Avec le Xelor, j'essaye un petit peu la variante vol du temps. Qui peut peut-être être sympa. Je découvre un petit peu. Ok, là il a potentiellement des dégâts sympas à mettre si on a peur. Le truc c'est que je suis en caprique hein, sur le sacré, donc bonne chance pour me tomber. Leka change de place avec son chaton, ça c'est intéressant ça. Si c'est pas une fake news évidemment. Est-ce qu'on fait pas un petit rollbacks? Ok, là le sacré téléfrag. Ah, c'était.
On me ment en fait. Pourquoi le chaton n'est pas téléfrag non plus? J'oublie tout le temps que je suis en Élysée. J'ai l'habitude de jouer en Stalag sur le mode là. Ça me perturbe un peu. Il est dans combien de 3 attaques? Lui, il n'y a pas un monde où je le tue en vrai. En mode entaille. Un peu de soin par-ci par-là. Ah, je tue pas le chaton par contre, ça c'est catastrophique. Mon sacré, il est intuable par contre. Hein. Je suis bête, j'avais la synchro, j'avais 1 milliard de trucs que je pouvais faire avec le Xel. C'est le vol du temps qui me fait un peu paniquer et les bugs de prévisu, ça c'est aussi la catastrophe. C'est un peu dommage que je me sois fait brain comme ça. Parce que sinon, il n'y avait plus de chaton. Ah oui, un PV forcément. Forcément. Par contre, son chaton est taclé, il se soigne pas là. Ouais, j'avais la synchro parfaite là, c'est un peu dommage. Après, on peut encore la placer, je pense. Moi, je peux reculer. Je peux mettre l'Eka là. Ok, bah j'ai plus de synchro. Après, c'est pas sûr qu'il y ait encore un Eka non plus. Ouais, j'ai pas bizarre le combat là, hein. Drôle d'ambiance un peu. Après, franchement, l'Eka, rien me dit qu'il peut rejouer là. Hein. Ok, merci pour le kill. Le gardien est taclé. Ah, tiens, je vais mettre une synchro là, lui, ça va l'amuser un peu. Ah, je peux me voler du temps dessus. Alors ça, j'avais pas capté. Donc ça veut dire que je peux désynchro ici. Oh, j'ai déjà utilisé ma TP dessus. C'est une catastrophe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. À l'aide. Oh, le tour catastrophique. J'avais la momif. Dépited. Bon, c'est pas grave. On apprend. Il n'y a pas un monde où j'oublie de faire les cafflips là. Je crois que mon plan de jeu ça va être de courir sur les cafflips et de lui taper dessus systématiquement en fait. Hein. Allez hop là, la petite téléfrag qui vient avec. Parce qu'en vrai là on y va comme ça. Attendez, attendez, attendez. Tac. Tac. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je pouvais me décaler, il prenait la flamiche aussi. 632. Je pense pas qu'ils prennent assez de dégâts à l'ébène, mais tiens, on va les tacler le gardien encore. Oh, 351, j'avais le kill. J'ai fini avec un PA, je me faisais détacler pour un PA. Je lui mettais la flamiche à distance sur les cas, il était mort. Je suis un peu triste. Bon, après, est-ce que j'ai un perso en danger là? J'ai un Xel 22 PA. Un Sacric, est-ce que j'ai mis mon pacte? Je crois que j'ai toujours pas mis le pacte. Hein. Sacric, il est intuable. Hein. J'ai 90 répous, je suis blindé de reste distance. Il y a un mec qui tape à distance en 4 feuilles, il y a un mec en 2 poux. Je suis content de plus en plus, j'arrive à bien adapter mes modes au draft. Alors qu'avant, souvent, j'avais beaucoup de mal à ce niveau-là. Bon, j'aurais pu plier le match 32 fois déjà, mais. À part ça, on va dire qu'on est bon. Alors, on va essayer de faire un tour qui ressemble à quelque chose là. Ok, attention, ça picote un peu ce qu'il me fait, mais ça devrait aller. Ok, j'ai un projet, je peux faire comme ça. On est un mec expérimental, hein. Hop, hop. Comment je fais pour virer mon chef? Let's go. Tac. Tac.
Tac. Je me suis trompé de sort, je voulais. Momif, j'ai fait bouclier temporel. À part ça, c'était presque clean ce que j'ai fait. Presque. Bon. Combien il a de d'ivoire lui? Il a son ivoire là. Donc en principe, je peux faire. Tac. Ciao. Normalement, il a déjà les. Il avait les bennes et compagnie, mais tant qu'à faire, je mets la totale. Je crois que je vais le tuer à l'ébène, hein, dans tous les cas. Et voilà, ben je crois que c'est une victoire, hein, ça passe. Bon, le match, il avait une drôle de gueule, hein, mais bon. Je pense que mon petit mode Sacrieur Riquirel est à peu près validé. J'ai limite peur qu'il détruise mon Xel. Après, bon, j'ai un Forge de Lave. Pas convaincu du vol du temps, mais bon, après, je me suis fait troller 2-3 fois par les prévisus et je fais des misclics. L'air de rien, le bouclier tempo, ça peut complètement le flinguer dans dans ses deux poux. Ça peut être marrant aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon, ouais, ma match bizarre, mais je suis un peu triste que mon Yapo n'ait pas joué. J'aurais bien voulu mettre un gros tour précis et compagnie. J'ai bien fail mon early, mon setup de coop et compagnie, mais le sacri est tellement big en vrai qu'il a bien carry.